Le conflit en République centrafricaine n'est pas un conflit de religion. En fait, les appartenances religieuses et ethniques sont manipulées à des fins politiques. Les responsables religieux ici présents refusent de se considérer comme des ennemis. Ils ne tolèreront pas de division entre les différents groupes de la société. Il est du devoir de la communauté internationale de leur prêter main forte. Nous voulons aujourd'hui dire merci à toutes les nations qui ont accepté de contribuer au nom des 100 voix centrafricains, restés dans la brousse et restés aussi dans la forêt et sur les sites. Nous voudrons aujourd'hui inviter les Nations Unies à agir rapidement et immédiatement pour sauver des vies humaines et préserver l'unité de la République centrafricaine. Nous sommes convaincus, Monsieur le Secrétaire général, que le coût financier d'une mission de maintien de la paix est extrêmement élevé, mais vu la situation complexe de cette crise, le déploiement de l'opération de maintien de paix des Nations Unies est d'une extrême urgence. Les jours qui passent augmentent le nombre de morts et de destructions. Voilà pourquoi il est important que nous puissions racheter les temps, car les jours sont mauvais. L'argent des riches et des puissants doit sauver la vie des pauvres et des faibles. Merci beaucoup. Merci. Excellence, soit plus haut contact avec.